Montréal, le fleuve Saint-Laurent, le Mont-Royal, les hivers enneigés, sa culture unique. La métropole québécoise est aussi une ville phare pour les habitats participatifs. J'ai voulu en savoir plus. Ça va faire déjà 6 ans qu'on vit en coop, mon copain et moi. À la base, on vivait en pas en coopération, mais en colocation. Donc, on avait un loyer à très, très faible coût puisqu'on partageait avec 2 autres personnes. Jeune couple, aux études, on n'avait pas beaucoup de budget. Donc, trouver un appartement pour vivre juste tous les deux tout seuls, c'était quand même encore difficile. Le loyer, par rapport à d'autres villes canadiennes, Montréal, c'est pas si dispendieux que ça, mais ça demeure quand même pour des jeunes étudiants aux pré-bourses, bah, pas grand-chose. Donc, dans nos recherches, on a trouvé les coop et ça allait comme de soi dans notre mode de vie. Moi, j'ai toujours fait du bénévolat, je me suis toujours impliquée, j'ai toujours aimé connaître le monde. Donc, c'était. Quand on a vu l'annonce, bah, on était super chanceux. On a vu une annonce, on a appliqué et en une semaine, on a eu une coop. 2 ans plus tard, bah, on a changé de coop, on cherchait un petit peu plus grand, ploup, et là, on a redéménagé dans une autre. Donc, je suis passée d'une petite coop de 8 logements à une plus grosse d'une vingtaine de logements. Voilà. Mais c'est vraiment toujours ce modèle-là de connaître mes voisins, de savoir, de pouvoir contribuer, de pouvoir partager. Mais aussi, c'est un peu c'est une forme de bénévolat. T'sais, on redonne à nos voisins, on travaille ensemble, on connaît notre quartier. C'est un mode de vie qui me convient parfaitement. Bien sûr, c'est un faible coût du point de vue du loyer. Ça va de soi. C'est souvent ce qui attire les gens vers la coopérative, mais c'est pas ce qui retient les gens. On est 100% autonome, ce qui veut dire qu'on ne fait pas affaire, on n'engage pas un concierge. On essaie de faire principalement les travaux par nous-mêmes afin de toujours garder les coûts des loyers le plus bas possible. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement en temps. J'aime que mon fils puis l'autre enfant qui viendra connaissent leurs voisins. Ils font partie de notre vie. C'est un peu. C'est comme de la famille élargie, là. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Souvent, le début, c'est un groupe de personnes qui veut initier une démarche, qui veut créer une forme de coopérative. Et typiquement, c'est un noyau de personnes, quelques personnes, en collaboration avec un groupe de ressources techniques ou en collaboration avec un comité de logement, qui a une idée de créer une coopérative, et typiquement déjà dans un quartier ou déjà sur un site qu'ils ont en tête. Des fois, il n'y en a pas de site. Puis, une partie de l'image, c'est de chercher un site, mais des fois, il y a une idée d'un projet. Donc, on s'implique tout au début en aidant le groupe à visualiser un peu le projet, d'abord de le connaître, c'est-à-dire qu'il vise combien d'unités, parce qu'ici, avec le temps, les coopératives d'habitation ont pris une certaine ampleur. Au début, il y en avait beaucoup de très petites coopératives, mais avec le temps, pas toutes sortes de questions de viabilité. Autant viabilité sociale qu'économique, il y a une tendance à grossir, que des fois les coop, c'est maintenant 40, 60, même 80, même 100 logements. Il y a toujours un peu des membres fondateurs, en fait. Souvent, ça peut être juste 3, 4 personnes qui décident d'initier le projet. Ensuite, quand le projet prend forme, bien là, il y a d'autres personnes qui vont se grouper au projet. Donc, puis ça vient, oui, en effet, ça vient de tous les sens. Des fois, c'est vraiment des citoyens. Très normaux, là, je veux dire, comme ça, qui arrivent et qui portent un projet. Dernièrement, quand il y a un groupe qui sont venus nous voir pour. Qui, eux, ciblaient pour les personnes pas âgées, mais disons 50 ans et plus, où ils voulaient avoir une espèce de coop. Ils ne savaient pas le nombre d'unités, ils disaient peut-être une vingtaine. Puis là, ils sont venus nous voir, mais ils ne connaissaient pas la GRT. Fait que là, nous, on dit, ben la première étape, c'est d'aller voir un groupe de ressources techniques.
Le groupe de ressources techniques, on est un peu comme un architecte, hein? On est employé par le groupe. Donc, on offre un service d'accompagnement, de développement et de réalisation. Mmh. Une fois que l'objectif, c'est de... La finalité, c'est l'autogestion. Mmh. Il y a dans tous les quartiers des regroupements de citoyens qui, à un moment ou à un autre, nous contactent ou contactent les comités logements, donc les organismes locaux dans un premier temps. Là, ça peut être l'un ou l'autre. Puis, exprime un besoin clair. Dire, bon, on est locataire en résidence privée, ça nous coûte super cher, on n'arrive pas à répondre à nos besoins, on ne veut pas quitter notre quartier, on y travaille, nos enfants y grandissent, vont à l'école. On souhaiterait développer un projet collectif ensemble. On ne connaît pas nécessairement la tenue que ça devrait avoir. Les gens ne savent pas nécessairement ce qu'est une coopérative d'habitation, par exemple, au départ. Là. Mm-hmm. Mais ils ont un besoin. Hein? Le besoin, c'est se loger à moindre coût, puis rester dans l'environnement où ce qu'ils habitent, là, pas s'extrader. Là. On finit par rencontrer ces gens-là, et c'est le début d'une aventure. On travaille régulièrement avec des architectes pour, au fond, esquisser un projet, par exemple, esquisser un bâtiment en fonction du règlement qui est prévu, en fonction du cadre normatif du programme Axélogie qui nous dit ben, ça nous prend telle variété de typologie pour tel type de tel nombre de familles, par exemple, à loger. Parfois, les projets font l'objet de consultations publiques pour avoir un certain aval, favoriser la participation de tous les intervenants sur l'arrivée d'un projet qui peut avoir une mixité de fonctions. Les architectes sont souvent mis à profit pour nous aider sur les aspects plus techniques, les apparences, les volumétries, l'argumentaire autour de l'intégration de bâtiments dans le cadre bâti, les références historiques, etc. Mm-hmm. Si on travaille sur des bâtiments à caractère patrimonial, nécessairement, on a besoin de spécialistes aussi pour nous aider à respecter le cachet patrimonial, respecter les contraintes normatives et réglementaires de chaque arrondissement. Les architectes connaissent ce que ça veut dire prendre un certain risque lorsqu'on développe, là, comme nous, on le fait. Là. À la base, les groupes de ressources techniques qui ont été inventés dans les années 70, là, j'étais pas là, fait que... je sais pas, mais c'est ça. Dans les années 70, c'était des architectes, en fait, qui, exactement ce que tu disais, c'était des architectes qui aidaient et qui voulaient développer du logement social. Et petit à petit, ils ont formé les autres ressources que tu as besoin que l'architecture, donc, tu sais, notaire, arpenteur, développement, financement, pour. Et c'est ça qui est devenu les groupes de ressources techniques. Le système, c'est ça, le système est quand même relativement bien huilé maintenant. Donc, tu sais, c'est bien reconnu. Il y a toujours un risque parce que les gouvernements changeants ne sont pas nécessairement pas la même sensibilité dans le logement social. Mais le système fonctionne bien. Donc, tu sais, qui fait quoi, quand, dans quelle méthode, c'est quand même bien établi. Mais c'est ça, mais évidemment, le risque, c'est toujours ça. Quand il y a un système qui fonctionne bien, quand il y a d'autres sortes d'habitations qui veulent exister. Mais il faut re-questionner le système puis voir comment il peut s'adapter puis évoluer. Et en France, que se passe-t-il? Dans les années 70, Giscard d'Estaing a enlevé le statut... En fait, les coopératives d'habitation se sont retrouvées sans statut juridique. Donc, c'est pour ça que des projets qui ont vu le jour dans les années 80 étaient plus sous forme de copropriété, où les gens vivaient dans un esprit après... coopérative, de mutualisation, d'entraide, de solidarité, d'autogestion, de tout ce qu'on veut. Mais c'était plus les personnes qui étaient ensemble... l'alchimie qu'il y avait entre ces personnes-là, qui faisait que le projet était comme ça, une volonté commune, il n'y avait pas vraiment de garde-fou là-dessus. Ça, en France, on est un peu, c'est assez embryonnaire tout ce qui est en train de se passer. La loi Allure maintenant permet de donner un statut aux coopératives d'habitation. Il y a différents statuts qui maintenant rendent possible, à mon avis, vont rendre possible, à mon avis, des projets de plus en plus différents. Mais une des grandes idées, c'est vraiment d'avoir son chez-soi aussi, quand même, d'avoir son logement à soi. Et tout en étant quand même, en ayant des liens de solidarité, en ayant des
lien plus fort que d'être simple voisin avec les logements qui nous entourent. La particularité des coopératives d'habitation au Québec, à la fois tous les membres de la coopérative sont propriétaires, c'est la propriété collective, et à côté de ça, chacun est individuellement locataire de son logement. En fait, c'est ce qu'on appelle de la location à possession continue. En France, pour le moment, actuellement, c'est des projets en accession à la propriété, la majorité. Au Québec, il y a un programme de financement, c'est ça, le programme Accélogie, qui permet de développer du logement communautaire. Voilà, donc c'est vrai que ça, forcément, ça aide énormément. Pour le moment, c'est vrai que ça n'existe pas en France. Après, il y a beaucoup de logements sociaux qui se développent en France aussi. Donc voilà, c'est depuis 1994, le gouvernement fédéral, donc le Canada, enfin l'échelle du Canada, ne finance plus le développement de nouveaux logements HLM. Voilà, il y a des financements pour de la rénovation. Il y a peut-être quelques financements particuliers, mais il n'y a pas de plan majeur de développement de logements sociaux HLM. Comme il peut y avoir en France, où il y a quand même beaucoup de financement là-dessus.